Ouais, c'est quoi celle-là, on la record. C'est la seule game que je record aujourd'hui. Donc salut les bros, c'est l'Arbé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite game avec Madame Port Top Lane face à Riven, donc un match-up chiant, mais bon, on va faire de notre mieux. Et on va essayer une Sejuani différente d'habitude. On va la jouer avec, bon, Sunfire comme d'hab, first item, Tabi, tout ça, donc la base. Mais ensuite, on fera une force de la Trinité. Un peu comme des Poppy à l'époque, il y avait Poppy qui jouait comme ça et c'était pas mal. Donc là, on va tester avec Sejuani et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être à chier, hein, mais bon, tranquille. Ils nous ont pas vu, ils nous ont pas vu. Ils nous ont pas vu. On est invisible. Ok, on n'est pas invisible. Ok, on se tire. On y va. Stop la musique pour record. J'avoue que la musique va nous strike. Vas-y, au pire, vous savez quoi? Hop, on monte le son du jeu. On monte juste le son du jeu, hop. Voilà, comme ça on met la musique du jeu. On est full focus sur le jeu. Et on y va. Tu vois, là on est vraiment à fond. Il fait quoi? Bon, j'ai commencé au Q-spell du coup, hein, pour lui mettre cette petite auto en plus. Mais ça va, on prend un kill. Bon, ça va être chaud. Aïe, solo, d'accord. Ça me va, si tu veux solo, ça m'arrange. Le flash auto de Pyke, incroyable. Il a tellement bien géré son flash auto. Il va mettre son Q-spell pour farm. Voilà, logique. Voilà, la petite auto pour avoir la pointe de l'immortel, c'est très bien. Tout ce que je recherchais ici. Deuxième pointe de l'immortel, c'est parfait. Donc il va passer level 2 bien avant moi. What the fuck, ils ont tué? Ok, nice. Nice, ça c'est tout ce que je veux entendre. Oh merde, ça va. Ok, pourquoi pas. Hop, juste une petite auto pour la poigne encore. J'aime trop jouer Sage, c'est trop marrant Sage. Non, 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 non. J'ai voulu le tenter, écoutez, hein. Ah, salut, il y a quelqu'un là. J'ai vu quelqu'un passer là. Dommage. C'était un peu obvious, mais j'ai voulu le tenter. Écoutez, c'est pas grave. Oh. Voilà, j'ai push. Je vais partir sur de l'armure. Un petit truc d'HP. Ça va me mettre bien. J'ai mis mon truc sur quoi là? J'ai mis sur un mêlée. Donc maintenant, faut que j'en mette un sur un caster. Sur un. Hop, 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 hop. J'ai bloqué le creep canon ici. Comme ça lane ne va pas push. Bon, en fait je push, hein. J'ai pas le choix en fait. Parce que la Riven va décale. Plus la Riven décale, on est pas mal. Dommage. Faut que j'attende quelques secondes avant d'avoir mes trucs. On dort en passif. Bon, ça va. Pour l'instant, je m'en sors bien face à cette Riven. Donc, chose inattendue, étant donné que normalement, bah, Riven est censé m'exploser.
Ok, bien tenté gros. Tu m'as bien cancel là la pink. 5 secondes avant passif, comme ça je peux lui retourner dedans et lui re-sauter dessus. Merde, ça va. Voilà, c'est tout, ça me va. Ça me va aussi. En fait, je l'atomise en fait. Attends, mais j'ai pas mis mon R. J'ai mis mon E niveau 2 au lieu de mettre mon R. Putain, je suis un connard. Tout était calculé. Mais j'avais pas besoin de ce R. J'avais pas besoin de ce R en fait. Ça sert à quoi d'avoir d'ultimate? Ça sert à quoi, les gars? Je vous le dis, je vous le demande maintenant. On va push ça, hop. Prendre une deuxième plaque. Voilà, comme ça je peux back, je suis bien. Il va perdre énormément d'XP. Level 7, j'aurai mon ultimate parce qu'en gros il y a eu un patch sur le patch 9.9 là. C'est que tu peux avoir ton ultimate qu'au level 7 et non plus level 6. Donc voilà pour ceux qui ne savaient pas. Eh bien, bah c'est un nouveau patch, donc là faut que j'attende encore un petit peu. Il me manque combien d'XP là? Il me manque ouais, 9% d'XP et je serai bien là. Donc c'est pas mal. Ok, parfait. Bon, du coup, la Riven est level 5. Elle a deux levels d'avoir son ulti. Bon, bah ça va, on est bien. Hein. Pas mal, les bons dégâts. Oh, dommage, dommage. J'ai un build de tout quand c'est avec Trinité. Bah c'est ce que je vais tester là cette game. Reviens là, reviens là, reviens là. Ok, non, reviens pas là. Tu me tueras pas gros. Je peux toujours tenter hein, mais je te le dis, tu ne me tueras pas là. Donc elle a plus l'ultimate, c'est parfait. Ok, donc je vais prendre des petits fruits pour me sustain, pour me sustenter. Ah, par contre, elle a hack le jeu, elle a son ultimate level 6, what the fuck? Ouais, c'est bizarre. Ouais, bon. Apparemment, le patch il est que sur ces Johnny, les gars. Non, non, elle a triché. Elle a triché, y a pas d'autre raison en fait. Elle a juste hacké le jeu. Hmm. Le problème c'est que j'ai ça, tu vois, je peux pas courir sous tour. Parce que si je me mets sous tour, elle a juste à se mettre à côté de moi et les cendres vont me donner l'aggro de la tour, ça va être chiant. Je vais lui laisser ça, hein. Pas de soucis. Botlane, ça a l'air d'être. Ah oui, ça a l'air d'être violent botlane même. Ah oui, ça a l'air d'être très énervé ce qu'ils sont en train de leur mettre. Même s'ils sont en train de se faire out farm, ils sont en train de les out push assez lourdement. Donc j'ai pas d'infos sur la. Sur la Evelynn, ça peut être un souci. Voilà, parfait. Désolé gros. Sorry. Je voulais pas le tuer comme ça mais bon. Eh les gens, ils sous-estiment de fou ces gens. Ils sous-estiment de fou les dégâts de ces jeunes gens. Moi je connais hein. Moi je connais comment ça marche ces jeunes gens. Je sais les dégâts que ça fait. Allez, donnez-moi une plaque. Une plaque, s'il te plaît. Allez. Oh, c'est si long. C'est si long. De push avec sèche, c'est vraiment très très long. Quelqu'un là? Faire quoi? Je comprends pas. Je veux bien te suivre gros, mais ça sent la merde hein. Oh, incroyable. Ok, j'ai rien dit. C'était le meilleur move du jeu. Attends, mais ils ont swap? Ah oui, d'accord. Bon, laissez-moi back, j'ai quand même 2000 gold là.
J'aurai pas le temps de faire ma trinité, la game va être finie avant, j'ai le seum. Oh, il faut vraiment que j'arrive à finir ma trinité avant, sinon je serais très déçu. Je t'ai payé devant et j'en ai rien à foutre, alors tu vas faire quoi? Je saute directement dessus même, hop. Comme ça je l'amène vers Pyke. Ok, voilà, t'es mort. Ok, je vais prendre la tourelle. Oh mais ils vont FF15. J'aurai jamais ma trinité à 15 minutes. C'est chiant. Comme par hasard, une game où je suis bien, et bah le jeu ne me laisse pas m'amuser, je suis algorithmé aujourd'hui. Voilà, comme ça j'ai ma brillance. Allez, on rush la trinité. Objectif, faire la trinité avant 15 minutes. C'est faisable. C'est faisable. Vend tout pour faire Triforce. Ah mais le but c'est pas ça sinon. Le but c'est de jouer en conditions réelles, voir ce que ça donne. J'ai pas de gold à prendre là, il manque combien? Il manque 1200 gold. 1200 gold dans 4 minutes ça se fait. Après ils vont peut-être pas FF15 hein. C'est possible si je int. Attends, faut que je meure. Faut que je me suicide. Comme ça il y a peut-être moyen que... Il y a peut-être moyen qu'il ne FF pas. Je vais me suicide bot. Je suis vraiment en tarde là. Non mais ils vont la tuer ou encore, c'est chier. Mais gros. Non mais tuez-le. Tuez-le. Faites un effort, vas-y Vayne, tue-le. What the fuck. Attends, bon, je la tue quand même elle. Voilà, merci. Et là je vais me tuer sous tour. Non mais on les a tous tués. Elle ou Evelyn? Faut qu'Evelyn me tue. Et je me push tout droit. Genre sans réfléchir, je me push tout droit. Oh, des golds ici, parfait. Des golds, comme ça j'ai ma tour. Si j'ai la tour, j'ai peut-être les golds après. Y'a moyen hein. Non ils vont FF. Vas-y Evelyn, t'es là à côté là non? Putain, elle est pas à côté, elle est pas à côté. C'est pas mort si elle est pas à côté. Nice, j'ai ma trinité déjà, c'est parfait. Je vais pouvoir utiliser ma trinité. Et là il faut que je meure pour donner un peu de gold, un peu d'espoir à cette team. Genre, oh non! C'est grave quand même les dégâts de Barney. What the fuck? Maintenant que j'ai ma trinité, bah on est bien hein. Ok, j'ai ma trinité, donc j'ai couru tout droit. Je suis malheureusement mort. J'ai donné 550 gold à qui? À Sylas. Oh non, quel dommage! Fais chier! Yes! Allez, mourrez maintenant! Là, il faut qu'il meure! Allez, gridez! Oh, vas-y, gride pas aussi! Je vois pas comment on peut faire durer la game en fait, si jamais ils se font fumer comme ça! Nice, vas-y, prends des golds de toi, c'est parfait! Bon, je vais prendre ma farm, j'ai ma trinité. Une fois que j'ai ma trinité et mes bots, je vais être bien. Et je vais voir là avec ma trinité, est-ce que je peux trade en 1v2 des gens là? Est-ce que je peux les fumer? Comme ça la game dure un peu plus longtemps et c'est bien. Vas-y aussi. Notre Pyke mid est trop fort. Notre Pyke mid est vraiment trop fort en fait. Donc, il va prendre le Drake tranquille. Moi je vais prendre Mass XP bot et je vais juste push bot. C'est quand que tu joues Riven Crit? Bah on a fait beaucoup de game Riven Crit aujourd'hui. Environ 0. Donc c'est cool. Mais ouais, genre je la jouerais bah quand je pourrais la jouer. Hein. T'es marrant toi. Nice, c'est qu'il apprend. Oh ouais. Oh non, je suis mort, quel dommage. Oh, une auto. Yes. Yes, t'es kill. Yes. Vas-y, tu l'es. Vayne, fais un effort, tu l'es tous. Bon, c'était un peu unlucky là. Bon, là on va commencer à jouer. Voilà, là c'est parfait. Maintenant on va pouvoir commencer à jouer un peu avec notre build. Je vais prendre ça quand même. Je vais prendre juste ça. Et ensuite je pars tankiness. Et je pense que je serai assez tanky. Enfin, je suis sur une Warmog, un truc comme ça. Après Warmog contre Vayne, c'est pas ouf. J'ai ma plaque. Ouais, j'ai ma plaque, c'est bien. Ils vont prendre le Herald. Et là je vais partir en split push pour voir ce que je peux faire en split push.
Kha'Zix l'a déjà géré. Non mais regardez leur stuff gros. Regardez leur stuff, ils sont trop trop bien genre. Triforce c'est jeu, exactement, c'est un nouveau build à la mode. C'est un nouveau build à la mode chez les jeunes. Tu mets des vraies patates et tout, c'est trop bien. Regarde comme je tape vite. Je clean si vite ma jungle en plus, oh là là. C'est magnifique comme build. Nice, ils ont raté leur ult, c'est parfait. Ils sont trop faibles. Tulle, mais ils vont FF15, ils vont FF15. Si vous laissez tomber trop, ils vont FF15. Après, c'est peut-être ce qu'ils veulent aussi, quoi, c'est logique. Oh, nice, nice, nice. On a un exécuté, c'est parfait. Attends, je peux pas encore là trade sous tour. Je reviens, je reviens, je reviens. Bon, j'ai pas eu le sérieux. Et en plus, je deviens speed pusher avec ça. Avec Trinité, Trinité sèche, ça push vite, hein. Regardez l'auto-attaque, boum. Il va pas le voir celui-là. Je back TP. Je back TP et ce sera bon. Ça a l'air de faire quand même des dégâts corrects. Oh, joli stun. Enfin, je vais prendre ça. Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Allez, go. On va prendre ça. On va se téléporter. Nice, il est mort. Parfait. Quand même. Ça va, j'ai quand même réussi à tuer la petite Vayne avec un Q-spell auto. J'ai mis des dégâts plus que corrects. Oh, joli Silas. Tu es quand même mort, mais joli. La pauvre petite Vayne, elle a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé là. Imagine, t'as ces jeunes qui te sautent dessus comme ça, tu te fais atomiser. Genre j'ai le seum. Oh là là, c'est raté. Oh là là, tout était raté. Tout était nul. Oh, le seum quand même. Joli. Joli défense. Non, laisse-moi le blue, gros. S'il te plaît. Oh, j'aurais jamais. Oh, le salaud. Ça m'atomise vraiment de taper aussi vite avec ces jeunes, ça a aucun sens. Parce que la Trinité donne combien de vitesse d'attaque? Ça donne 40% d'attaque. Ah ouais, c'est pour ça aussi. 40%, c'est énorme 40%. C'est ma jungle ça. Non, il va l'avoir. Non, il aura attend. Oh le bâtard. Je fais feinte, genre hop, tu sautes là-bas. Ok, je te prends ton camp là-bas. C'est une bataille de camp là. Hop. Hop. Parfait. J'arrive, attendez-moi, attendez-moi. J'ai pas de blue buff. Il me faut de la mana. Je suis en manque de mana là. Oh le stun flam. Oh là là, ce flam. Ouïouïouïouïouïouï. Il y a eu des lags aussi. Boum. Il y a eu un petit lag sur l'ultimate. Genre, il est parti un poil plus tôt que ce que je pensais. Mais. Tranquille, tranquille. Je vais taper Vayne. Elle où Vayne? Vayne, viens, Vayne, viens. Vayne.
Dommage, j'ai pas réussi à la tuer. Bon, ça aurait été marrant de voir ça en condition de 1v1 classique où on est à peu près even. Mais là, vu que la Riven s'est fait littéralement atomiser, eh bien, j'ai pas pu vraiment voir ce que valait ce build Trinité. En tout cas, ça m'amuse de taper vite, ça m'amuse de faire mal, donc je retenterai ça plus tard. Je retenterai ça peut-être lundi, du coup. On va retester ce build avec Sejuani Trinité, parce qu'il y a peut-être moyen de s'amuser sur des petits duels que les gens n'attendraient pas à ce niveau-là. Mais c'était bien. Je vais honor Pyke. J'aurais pu honor le Kha'Zix, les deux ont fait une très bonne game. Donc voilà, encore une fois, on gagne des tokens. J'en ai plein des tokens, hein. Attendez. Je sais pas j'ai combien de tokens, je vais regarder. Attendez. Donc on fait un plus 18, ce qui me met à 87 LP. Donc il ne me manque plus que 13 LP pour passer en BO pour Diamant, le top elo. J'ai jamais été aussi haut elo de ma vie, donc c'est magnifique, ça me fait grandement plaisir. Et du coup, j'ai 60 trucs. Je voulais acheter la ward. L'orbe, je m'en fous. Attends. Mais du coup, je peux acheter des orbes ou pas? Ah ouais. Oh, 6200! C'est combien 6200? 6250 RP, c'est combien? Oh, t'abuses, Chacal, c'est 50 balles, gros. Oh, ouais, non. Riot, quand même. Oh, c'est cher, hein. On va en acheter 10 seulement, hein. On en achètera prochainement. On sera un petit pack opening plus tard. On offrira, du coup, 10 orbes MSI et non pas 25. Parce que 25, c'est quand même 50 balles et c'est cher. Et du coup, moi, je vous laisse maintenant. Merci à vous tous d'avoir suivi ce petit chrono stream. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi pour ma part à 15h pour des sessions de League of Legends. Et demain à 20h pour la Trackmania Grand League. Donc voilà, soyez présents. Car les Brains vont tout atomiser comme d'habitude. Donc demain, 20h, soyez là. Et maintenant, je vous laisse avec Tiolpinso, je crois, ou Manati. Je sais pas exactement. Vous allez voir de toute façon sur la prog. Hein. Donc il y aura 3h. Je crois que c'est 3h de Tio, puis 3h de... Bon bref, j'en sais rien. Vous verrez bien. Du coup, je vous laisse. Courte page de pub. Passez une bonne soirée. Et à demain.